Bienvenue sur la 10e étape du Tour d'Italie 1987. On remonte vers le nord, le long de la mer Adriatique pour une étape quasiment toute plate. Il y avait quelques reliefs dans le dernier tiers de la course entre Bari et Termoli. Donc 210 km, une grosse journée de sel, donc des conditions climatiques très agréables et une arrivée au sprint à Termoli. Une arrivée marquée notamment par une grosse chute puisque à l'avant de ce peloton, à la 10e position, un coureur est donc tombé. Vous voyez, quasiment tous les coureurs sont soit à terre, soit en posé pied à terre. Et donc finalement, c'est un sprint à 20 qui se dispute à Termoli. Et c'est la victoire pour Paolo Rozzola, le sprinter de la Gewiss. Il devance le Suisse Urs Freuler de l'équipe Atala. C'est le 10e succès d'étape pour le natif de Gussago en Lombardie. Il a été aussi vainqueur de la 4e étape de la semaine Coppi Bartali en cette année 1987. Du côté du classement général, malgré cette chute collective, aucun changement, Stephen Roche reste en rose.